Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Généralement, pour donner mes messages, j'utilise toujours les comptes que je puise dans notre gigantesque répertoire culturel. Mais aujourd'hui, je vais faire un clin d'œil à Monsieur Jean de La Fontaine, qui a fait des fables. Pour la simple raison que les fables de La Fontaine traduisent exactement les comportements humains. Or, sachant que l'Afrique est le berceau de l'humanité, toute l'humanité est partie de là, ce qui fait que tous les êtres humains ont la même ADN. Au Québec, ici, on dit, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Donc, les êtres humains, ils ont généralement les mêmes comportements devant les mêmes attitudes, à quelques différences près. Tous les êtres humains, ils éprouvent la jalousie, la cupidité, ils mentent, ils volent, ils trahissent et tout. Il y a des comportements qu'on peut quand même distinguer, mais de façon vraiment générale, l'humanité, elle est la même partout. Et donc, ces fables de La Fontaine, qui ont été écrites par un Européen, peuvent traduire exactement des comportements qu'on peut trouver en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie. Parce que dans tous ces endroits-là, ce sont des êtres humains qui sont partis du continent africain et donc qui ont la même ADN. Le message que je vais donner aujourd'hui, c'est vrai, il va s'adresser à la Côte d'Ivoire, mais n'empêche que les pays africains, généralement, ont eu leur indépendance dans la même période. Dans une période peut-être de 10 ans ou 20 ans maximum, on a tous eu nos indépendances, même si je doute vraiment qu'on soit indépendant. N'empêche, nous sommes des États souverains. Et les pays africains, ils ont eu cette souveraineté-là de façon globale dans la même période et on est pratiquement au même niveau de développement. Je veux dire au niveau des infrastructures, au niveau... Bon, il y a là aussi quelques différences, mais nous avons les mêmes défis, nous avons les mêmes problématiques, nous avons les mêmes soucis. Ce message va s'adresser à la Côte d'Ivoire. Mais chaque pays africain peut se retrouver dedans. Parce que là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Là où il y a des êtres humains, on retrouve souvent les mêmes comportements. Cette fable de La Fontaine a pour titre Les animaux malades de la peste. Ça faisait un moment qu'il y avait une maladie qui s'était abattue sur le règne animal, une maladie dont on n'avait jamais entendu parler. Ça mourait comme des mouches. Les animaux ne savaient plus où donner de la tête. Il n'y avait pas un jour qu'on n'entendait pas des pleurs dans chaque cour. Un moment, le roi dit, non, là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça ne va pas. Donc, il convoque les notables. Enfin, il convoque son gouvernement ou ses ministres et il prend la parole en premier, bien sûr, c'est lui le roi. Et il dit, vraiment avec tout ce qui se passe là, j'ai réfléchi, je pense qu'il va falloir qu'on fasse notre mea culpa. Il y a quelque chose que nous avons fait que la nature est fâchée. Regardez par exemple moi, je reconnais, et là vraiment, je ne suis pas trop fière. Je reconnais que j'ai dévoré le berger, puis je suis allé, j'ai dévoré aussi son bétail. Donc, là, vraiment, ça me travaille, et puis je pense que je crois que c'est ma faute si tout ça là arrive. Donc, je demande pardon à la nature, je demande pardon à toute l'assemblée ici parce que. Je ne sais pas si ça peut permettre, en tout cas.
Il était encore dans ça quand le renard s'est levé. Le renard dit quoi? Mon roi, non, faut pas dire ça. C'est pas vous, majesté, quand même. Comment vous pouvez dire que c'est vous le responsable? Ce berger qui a été dévoré par vous, là, il devrait vous être reconnaissant. C'est un honneur pour lui d'avoir été dévoré par vous. Grâce à vous, il est rentré dans l'histoire. Et son bétail, non, quand même. Si vous ne mangez pas le bétail, comment est-ce que vous allez avoir la force pour nous diriger? Non, 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 faut pas, non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas, vous n'êtes pas responsable de ça, mon roi. Non, ce n'est pas vous. Vous avez dévoré le berger. Mais eux-mêmes, ils font quoi? Lui, là, en tant qu'il met là, est-ce qu'il fait des choses qui sont bien? Donc, si on l'a dévoré, ce n'est pas une perte. Si on l'a dévoré, ce n'est pas une perte. Non, 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 ne faites pas ça. Non, non, le roi, mon roi, ce n'est pas vous. Non, 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 ce n'est pas vous. Ça, là, vraiment, je m'inscris en faux. Le tigre est venu, il a dit pour lui. Le guépard, le jaguar, tous ces gros animaux-là. Chacun est venu essayer de. Mais non, 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 on a trouvé chaque fois des justificatifs. Et quand le roi avait parlé, personne n'a dit mot. Personne n'a appuyé ce que le roi a dit. Les jaguars et tout ça, eux aussi, quand ils ont dit pour eux, personne n'a dit mot. Donc chacun, au fur et à mesure que ça descendait jusqu'au bas peuple, là, on a trouvé des justificatifs jusqu'à ce que ça arrive autour de l'âne. Et l'âne s'est avancé au milieu du cercle, dit vraiment, moi aussi je regrette. Je regrette, je pense que je n'ai pas de responsabilité dedans aussi. On dit, toi, tu as fait quoi? J'ai brouté l'herbe là. C'est la pauvre herbe qu'il avait. Je suis passé un jour, j'ai vu l'herbe de loin là. C'était bien vert comme ça m'a comme attiré. Puis je suis allé, j'ai brouté ça. Donc, je voudrais vraiment demander pardon à l'herbe. Je voudrais demander pardon à la nature d'avoir brouté la pauvre herbe sans défense. Quand l'âne a fini de dire ça, Aro, on comprend maintenant pourquoi on souffre. Le renard dit, mon roi, vous pensez que vous étiez coupable? Mais lui, allez brouter une pauvre herbe, une pauvre herbe verte dans le pré. Qu'est-ce qu'elle y a fait? Voilà le responsable. C'est lui. C'est à cause de lui là, on est là aujourd'hui là. C'est lui qui allait manger l'herbe là, qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et tous les animaux là, sur la hyène, sur l'âne. C'est toi qui as fait que ma grand-mère est morte. C'est à cause de toi que mon fils est décédé. Et puis c'est toi que mon neveu là-bas. Puis ma cousine que j'aimais beaucoup là. Puis ma femme. Et puis mon père. Puis ma mère. C'est l'âne qui a payé. Parce qu'il a mangé. Parce qu'il a brouté l'herbe. C'est lui qui a payé pour supposément la maladie qui est arrivée. Je vais maintenant adapter ça à la Côte d'Ivoire et par le fait même aux autres pays africains. Dans nos pays, ce sont les pauvres qui payent toujours. Ce sont les pauvres qui payent toujours. Il y a eu des inondations à la Riviera, Palmeraie, à l'Abra et tout, il y a eu des morts. Vraiment, les morts, on ne peut pas les remplacer. Il y a eu des pertes en vie humaine, il y a eu des dégâts matériels. Les dégâts matériels, on peut les rattraper. Et on a trouvé, on s'est réunis, comme le roi et les animaux, ils sont réunis. Donc le gouvernement a dû se réunir de façon extraordinaire. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va les casser les maisons, parce que ce sont les pauvres là. C'est eux, c'est leurs maisons là qui font que l'eau n'a pas passé. Et on allait casser les baraques des gens. On a cassé un bar, un maquis, quelque chose comme ça là. On a cassé. Mais est-ce que c'est ça qui résout le problème? Les responsables, ceux qui ont vendu les terrains, ceux qui ont loti les terrains, ceux qui ont donné les autorisations de construction, ceux qui ont. Eux, ils sont où? Ils sont où? Eux, ce sont les tigres, les panthères. Non, eux, ils sont intouchables. C'est l'âne qui a brouté l'herbe. C'est lui qui est responsable. Donc, les pauvres qui ont eu leur baraque cassée, là, c'est eux qui sont responsables de l'eau qui n'a pas circulé. Excusez-moi, vraiment, il fait très chaud dans ces jours. Et actuellement, il pleut comme pas possible. Ça me fait. J'ai vraiment chaud. Excusez-moi vraiment
de vous offrir ce spectacle-là qui n'est pas très intéressant. Mais face à l'actualité de la Côte d'Ivoire, je me dis qu'il fallait que je fasse la vidéo aujourd'hui. Ils sont allés casser des maisons aujourd'hui à Port-Boué Abattoir. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet 2018. Ils sont allés casser les baraques. Encore l'âne qui vient de perdre la face devant les rois, devant les tigres, devant les lions. Aller casser les maisons, les baraques des pauvres, c'est ça qui va résoudre quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on met la charrue avant les bœufs? Si on veut reloger des gens, c'est normal qu'on s'inquiète pour notre population, qu'on fasse tout pour que la population soit dans de bonnes conditions. C'est pas normal que dans un pays qui se dit développé, il y ait des baraques. C'est pas normal, je le concède à 100%. Mais on construit un endroit où les reloger et ensuite on vient casser ces baraques-là. Pour que la ville soit assainie, c'est normal. Pendant que des gens ont donné des autorisations pour construire, pendant que des gens qui sont nantis ont construit sur des bouches d'égout, ont construit sur des trucs d'évacuation, ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est les pauvres là. C'est leur maison. Tout ce qu'ils ont de plus cher, de plus précieux, c'est leur baraque. On ne demande pas que les gens restent dans les baraques. Mais on les reloge. On les reloge. Moi, je n'ai pas fait d'études économiques. Je n'ai pas un doctorat en économie, en gestion humaine. Non. Mais je pense qu'il y a le bon sens qui a été distribué à tous les êtres humains. Il y a quand même un minimum de bon sens qu'on a, de logique. On construit des nouveaux bâtiments. Au lieu d'aller construire un métro, là, dans un endroit où il y a des inondations comme ça, on va aller construire un métro à coût de milliards. Les gens n'ont pas d'endroit où dormir, ils n'ont pas d'endroit où décent où dormir. Alors on casse les baraques là après les avoir relogés. C'est logique. Ces populations qui sont dans les baraques là, ils sont pauvres, ils sont comme l'âne. C'est eux qui sont responsables du sous-développement. C'est un péché d'être pauvre. C'est une erreur d'être pauvre. C'est une tare d'être pauvre dans sa société. Mais ces pauvres là, ils vont voter aussi. Ces pauvres-là, ils vont voter aussi. Quand les élections arrivent, on va faire des campagnes dans ces endroits où il y a les baraques. Parce qu'on sait qu'on a des voix là-bas. Pourquoi ne pas mettre ces gens dans de bonnes conditions? Pourquoi ne pas les mettre dans de bonnes conditions? Des gens se réveillent le matin, il y a des engins devant leur maison pour casser. C'est des baraques. Personne ne souhaite voir son pays à l'échelle nationale, voir des baraques à l'échelle nationale. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. On les reloge et on casse. Normal. Parce que dans les baraques, c'est des vecteurs. Il y a des endroits où il y a la maladie, il y a l'insalubrité. Ils n'ont pas souvent d'eau courante, ils n'ont pas d'électricité correcte. Ils sont obligés de se brancher. C'est dangereux. C'est normal. Mais on les reloge. Et ensuite, on casse les baraques. Mais ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer pour cette urbanisation faite, je ne sais pas, Non. 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 Ce sont des êtres humains comme vous. Vous avez beau être des lions, vous avez beau être des panthères, des tigres. Il va toujours y avoir des renards pour venir vous dire que vous avez. C'est comme. La machine, non, le renard a dit au lion. Non, mais c'est normal que tu l'aies dévoré, tu es le lion. Et c'est comme ça que ces gens qui sont riches, ils ont le droit d'être dans de bonnes maisons, dans des maisons bien confortables. Et les pauvres, comme l'âne, c'est eux qui vont subir. Non. Non. Ces pauvres-là, ils font partie de la société. Et le devoir d'un gouvernement, c'est de penser à ceux-là, leur tendre la main pour les faire sortir du gouffre dans lequel ils sont. Mais aller casser les baraques des gens. Ils vont dormir où? Danga, ça a été fait depuis. Il n'y a pas eu de solution. Sous prétexte qu'on va casser pour construire des choses plus potables. Mais ceux qui étaient là, on les met où? Certains ont réussi à partir, mais il y en a qui n'ont pas d'endroit où aller. Et maintenant, le lot de ceux de Port-Boué Abattoir, aujourd'hui, 2 juillet 2018, ils viennent s'ajouter déjà au lot des gens qui ont mal. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Vous fonctionnez. Non, c'est pas bien. Les animaux malades de la peste,
C'est ça là. Le lion a été excusé parce qu'il est le lion. Le tigre, le quoi, ils tous ont été excusés. C'est l'âne qui a payé parce qu'il a brouté l'herbe. Parce que ces pauvres là, dont on casse les baraques, ils n'ont aucun recours. Ils vont aller où? Mais ceux-là, ils respirent le même air que nous. Ils ont des sentiments aussi. Ce sont des êtres humains aussi. Ce sont des électeurs aussi. C'est notre population. Elle doit être au cœur de nos décisions, le bien-être de nos populations. Mais pas la douleur et la souffrance de notre peuple. J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur de voir ça. C'est ce que j'ai pu faire. Faire une vidéo, c'est le moyen que j'ai pour l'instant. Alors je l'utilise. Revoyez-vous, s'il vous plaît.